vous aussi, vous êtes parfois face à ce genre de réaction, écoutez cette vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'écoute, mais d'écoute et de pratique qui n'est pas très usitée et pourtant, donc une pratique que j'aime beaucoup faire avec mes proches et que je tente de plus en plus aussi évidemment avec, avec les gens qui le sont moins et qui sont moins dans ce monde de développement personnel où on peut se permettre parfois des choses qui sortent un peu des usages, mais voilà, on est là pour justement semer des graines. Et par exemple, voilà, c'est quand l'idée, bon, pour poser le cadre, vous êtes en train de parler à quelqu'un qui, alors soit vous le voyez ou vous le voyez pas, ça c'est pas toujours évident aussi, quand on est parfois dans ce qu'on raconte, on n'observe pas toujours notre interlocuteur, mais bon, on peut le voir ou pas, que l'autre en fait nous écoute absolument pas. Il est soit en train de faire autre chose, soit qu'il en a rien à faire de ce que vous dites, soit c'est pas du tout le moment pour lui, et bah, vous le remarquez ou pas, mais il n'y a pas d'écoute. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ben, moi aussi il m'arrive à des moments de ne pas être du tout dans les dispositions de pouvoir écouter la personne qui vient vers moi. Et là j'ai deux choix. Soit je fais semblant, et donc j'écoute à moitié, je rebondis peu, et je n'attends qu'une chose, c'est que la personne se taise ou s'en aille. Très honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de ce genre de pratique, et en plus, au niveau du lien qu'on entretient avec la personne, on n'est pas du tout dans l'authenticité. Et puis le deuxième choix que je préfère et que j'essaye de cultiver, même si effectivement se pose alors parfois la encore et toujours cette question des bonnes manières, etc. où on se dit ne pense pas à toi et écrase et écoute ou fais semblant. Mais donc faire fi de ça et pouvoir être authentique en disant à la personne écoute, je serais vraiment heureuse de t'écouter, j'ai vraiment envie de t'entendre, j'ai vraiment envie de pouvoir être là pleinement pour toi. Mais là, présentement, je dois terminer un dossier pour dans une demi-heure. Là, présentement, je me sens vraiment fatiguée. Là, présentement, j'ai mille choses à penser. Je viens d'avoir une discussion difficile. Enfin, je ne suis pas en état. Et donc, vraiment, là, vu ma situation du moment, est-ce que ce serait OK pour toi qu'on puisse se parler à un autre moment? Et on peut le définir ensemble si tu veux. Et voilà. Et là, vous êtes en face d'une personne qui si elle a vraiment envie d'être entendue, va pouvoir quelque part être honorée que vous lui disiez que votre élan, si c'est vrai évidemment, est de l'écouter et d'être là pour elle, mais que son besoin du moment, c'est autre chose. Et qu'elle vous demande si c'est possible qu'on trouve un autre moment pour se parler, je pense que, pour moi en tout cas, je pense que c'est beaucoup plus porteur et riche que d'avoir quelqu'un en face de moi qui va faire semblant, qui va écouter d'une oreille et qui finalement ne répondra peut-être pas au besoin qui était le mien de pouvoir être écouté et peut-être d'avoir des conseils, etc. Et donc voilà, aujourd'hui c'est une invitation un peu à sortir de ce que l'éducation, de ce que notre société nous susurre, de ne pas nous écouter, de faire toujours fi de ce qui est présent pour nous à un tel moment, et du coup ben, de fausser le lien et de ne pas se permettre, encore une fois, comme on en parlait en début de semaine, d'être et de vivre notre authenticité. Et voilà, ça ne veut pas dire envoyer promener la personne, ça veut simplement dire exprimer notre besoin du moment, prendre en compte le sien, l'avoir bien entendu, l'avoir bien accueilli et dire qu'on a envie d'être là pour elle, mais trouver ensemble un terrain d'entente pour trouver un moment plus propice à cet échange. Voilà mon invitation du jour. Et donc je serai très heureuse, comme toujours, de lire vos commentaires, que ce soit en message privé ou sous la vidéo, que ce soit sur YouTube ou Facebook. N'hésitez pas aussi à liker, donc à appuyer sur le petit pouce en dessous de la vidéo pour m'encourager aussi à continuer ces petits partages qui moi en tout cas me procurent beaucoup de plaisir. Et puis je vous retrouve déjà demain.